Parashat Va'era, enfin le déclenchement de la Géoula. D'abord, il faut se remettre à l'ordre. Comment est-ce qu'il y a eu ce décret que les Béné Israël devaient descendre en Égypte pendant 400 ans esclaves en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on se rappelle que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Avraham Avinu et il lui a dit « La tête lecha et haaretz hazot lerishta » Donc moi, je veux donner à ta descendance cette terre, Eretz Kenaan. Et Avraham Avinu, il a pensé d'abord dans son cœur, il a dit comme ça, Ketzad irashena, d'où je sais que ma descendance pourra hériter de cette terre. Peut-être qu'ils ne seront pas méritants. Et quelque part, au niveau de Avraham, alors on lui reproche d'avoir manqué de Emouna, au point d'avoir même dit dans ses paroles, Bama eda ki irashena, d'où sais-je, d'où je vais avoir la preuve que ma descendance va réellement hériter de cette terre. Et sur cela, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, alors on ramène la discussion. Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham, Avraham, kol ha'olam kulo bediburi hu omed. Tout ce monde-là, il tient sur mon dibour, sur ma parole. Et toi, tu ne crois pas en ma parole. Arrête, j'ai dit que ta descendance va hériter de la terre. Et là, à ta omer, bamaeda, et toi, tu oses dire, bamaeda, d'où sais-je que je vais hériter? Hayecha, alors sur ta vie, yadoa teda. Et sur cela, on ramène le verset qui est connu, Yadoa teda ki guerrier zaracha. Donc sur cela, ils ont mérité 400 ans. Je ne vais pas entrer dans les détails. Quel est le rapport avec la punition? Pourquoi est-ce qu'ils ont mérité 400 ans en terre étrangère en Égypte? Mais à la fin, ça, on a tendance à oublier. Mais bien sûr que les Béné Israël vont sortir en grande pompe comme il se doit. Or, le sujet ce soir, c'est de comprendre qu'est-ce qui a déclenché la Géoula. Qu'est-ce qui a permis dans le ciel de dire, ça y est, Higia Azman, Géoula Trem. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va vous sauver. Alors, au départ, dans Parashat Shemot, alors il est marqué là-bas, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et lui dit, Ve'ata lecha ve'eshlachacha el paro. Et maintenant, alors, je t'envoie chez Paro, justement pour que tu dises à Paro que tu vas sortir les Béné Israël de Mitzraïm. Et voici que Moshe, il a une discussion avec Hachem. Quelle est cette discussion? Vayomer Moshe el ha-Elohim, mi anochi ki elech el Paro. Qui suis-je pour aller chez Paro? Et Rachid de dire... Moshe Rabbeinu, il avait deux ta'anot à ce moment-là quand il a dit « Mi anochi ». Première ta'ana, « Ma ani chashuv ledaber im hammelachim ». Bichlal, qui je suis moi pour venir me confronter avec un roi comme Paro, bien que, bien sûr, Moshe a grandi dans le palais de Paro. Mais ce n'est pas ça ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, surtout Moshe, c'est que au niveau de sa parole, c'était très très compliqué. Aré Moshe, c'est pas juste qu'il bégayait. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il était Aral Sefataim, Kvad Pe ou Kvad Lachon. De quoi est-ce qu'il s'agit? Regardez bien les détails. Il faut savoir qu'avec la bouche, il y a cinq façons d'exprimer les sons par la bouche. Alors, avec les Otiot Hagaron, avec les lettres qui sortent de la gorge, ce sont les lettres Aleph, He, Het, Aïn. Ensuite, il y a des lettres qui sont prononcées par le palais. Otiot Acher, Gimel, Yud, Kaf et Kuf. Ensuite, il y a les lettres qui sont prononcées par la langue. Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav, Datlanat. Ensuite, il y a les lettres qui sont prononcées par les lèvres. Zashratz. Il y a les lettres, enfin, qui sont prononcées par Zashrat, c'était par les dents, et il y a les lettres par les lèvres, c'est Boumaf. Et imaginez,
Moshe Rabbeinu, lui, comme on a dit, il n'avait pas donc les lettres avec les lèvres, et il était kvat pe ou kvat lachon. Ça ressemble quelque part à celui qui n'a pas de lèvres et qui va essayer de parler. On peut même pas parler, on peut même pas sortir un son. Et c'est une des raisons, le Ben Yishrei, il dit que lorsque on arriverait le jour où on va dire Pakod, Pakad Tietrem, tout le monde connaissait la phrase magique qui permettrait au Béni Israël de sortir. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait cru plus Moshe Rabbeinu qu'un autre? Parce que dans Pakod Pakati, alors il y a le P, une lettre qui se prononce qu'avec les lèvres, et Moshe ne pouvait pas prononcer. Lorsque les Béni Israël auraient entendu de Moshe Rabbeinu Pakod Pakati, ils auraient compris que c'est la Shrina qui parle au travers de sa bouche. Et donc ils auraient cru Moshe. Donc première Tahana de Moshe, alors qui je suis moi pour parler à un roi comme Paro? Bichlal, je peux même pas commencer à parler avec lui. Deuxième Tahana, Vechi otzi et Bnei Israël, est-ce que je peux faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim? Quel est le problème? Ve'af im chashuvani, et même si à la limite je suis au niveau de pouvoir les faire sortir, Mazachu Israël shetaaseh la'emnes, est-ce que les Bnei Israël bichlal, ils peuvent sortir? Est-ce qu'ils ont un mérite? Aré, à ce moment-là, les Bnei Israël étaient tombés dans un niveau très grave où beaucoup d'entre eux faisaient Avodah Zara. Et donc Moshe Rabbeinu, il avait cette ta'ana, mais quel mérite ils ont les Bnei Israël pour sortir? C'est impossible. Et on sait que pour Avodah Zara, c'est marqué El Kana Venokem, Akadosh Baruch Hu, il se venge quelque part contre celui qui fait de la Avodah Zara. Moshe le savait, et donc Moshe Rabbeinu, il a dit, ils ne sont pas réouïm pour pouvoir sortir. Sur cela, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, non, ne t'en fais pas. Aré, j'ai demandé à ce qu'ils sortent. Pourquoi? Parce que et ha Elohim ya'avdu al ha'arazé. C'est-à-dire que je les fais sortir et ils vont servir Hachem sur cette montagne et par ce biais, ils feront Teshuvah. Donc ne t'en fais pas, Moshe. C'est vrai qu'ils ne sont pas méritants, mais je leur permettrai de sortir et grâce à cela, ils feront Teshuvah. Sur cela, alors, Akadosh Baruch Hu, il rajoute une phrase et c'est ça ce qui fera toute la différence. Écoutez bien la phrase. Hachem, il rajoute Im atago alam mutav. Si toi, Moshe Rabbeinu, tu les fais sortir, tant mieux. Veim lav en aher goalam. Et si toi, tu ne les fais pas sortir, personne ne pourra les faire sortir. Et donc, c'est cette phrase, encore une fois, qui fait toute la différence. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il insiste d'Avka sur Moshe pour faire sortir le clan d'Israël et personne d'autre? Aré, on sait qu'il y avait Aharon, Hakohen, son grand frère, 3 ans de plus qu'il avait Aharon. Et il est marqué quelques fois dans la Torah, Aharon ou Moshe. Bien sûr, le rov du temps, c'est marqué Moshe et Aharon. Mais à quelques reprises, on voit aussi Aharon ou Moshe. C'était pour dire que Aharon, il était Shakul que Moshe. Et donc, si Aaron était Shakul que Moshe, et qu'on sait que lorsque Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé à Midian pendant 60 ans, qui c'est qui était là avec le clan d'Israël pour gérer le clan d'Israël, qui était le Gadol? C'était nul autre que Aaron, c'est lui qui dirigeait. Donc pourquoi est-ce que Aaron ne sera pas choisi? Pourquoi est-ce que Hachem s'entête à dire, si c'est toi, Moshe, qui les fait sortir, tant mieux, mais si ce n'est pas toi, personne ne pourra les faire sortir. Alors, Rabotai, il y a ici un secret incroyable. Où, Akadosh Baruch Hu, il dit que Hes Olam Hesed Ibane, le monde, il tient sur le Chesed, et on va voir un Chesed que Moshe Rabbeinu, il a fait. Et Akadosh Baruch Hu, il dit que tout Chesed qui est fait sur terre, tout dépendant bien sûr du pourcentage de l'Echem Shamaim qui est fait dans ce chesed, alors ce chesed ne disparaîtra jamais et il ira justement pour le bénéfice du Klal Israël. Dans le Sifte Chaim, je fais une petite parenthèse parce que ça rentre bien ici. Dans le Sifte Chaim, on voit qu'il y a 3 niveaux de chesed. Premier niveau, le plus petit, qui s'appelle Tzedaka. Aré, la Torah nous dit « Patoach tiftach » Tu ouvriras ta main pour le pauvre qui viendra te demander. Lorsqu'il viendra te demander, alors on te dit,
ne ferme pas ta main à ce moment-là, ne fais pas semblant, tu ouvres ta main et tu lui donnes. C'est un chesed, mais un chesed qui a son niveau. Deuxième niveau de chesed qui s'appelle Gemilut Chassadim. Là, tu es prêt à te rapprocher de ton ami, de l'aider. Par exemple, tu vas faire Achnasat Orchim, tu vas l'inviter à la maison, ou bien tu vas faire Bikur Cholim, tu vas aller le visiter quand il est malade, donc tu vas te rapprocher de ton ami. Toutes les formes de chesed où on se rapproche, on appelle cela Gemilut Chassadim, c'est un niveau qui est encore plus élevé. Troisième niveau, qui est le niveau le plus élevé, alors il s'appelle Nosse Be'ol Im Havero. C'est quoi? C'est celui qui est prêt à porter le joug de son ami. On voit son ami qui a besoin d'aide. On voit son ami qui a besoin d'être relevé, qui a besoin d'être supporté. On va venir et on va l'aider. On va vraiment participer quelque part à sa peine. Alors ça s'appelle Nosse Be'ol Im Havero. Et voici que Moshe Rabbeinu, il était arrivé à ce niveau de Nosse Be'ol Im Havero, comme on le sait, c'est marqué Vayetse El Echav Vayar Besivlotam. Moshe Rabbeinu, il est descendu vers ses frères et il a vu leur détresse. Alors, à ce moment-là, lorsqu'il descendait, bien sûr que Moshe Rabbeinu, il avait un statut qui était assez spécial. Il a grandi dans le palais de Paro. Et donc, quand il voyait ses frères, alors il enlevait ses équipements, sa tenue de prince. Et il allait, il prenait les charges et il aidait les Béné Israël. Lorsque Hachem, il a vu ça, tu es prêt à te rabaisser pour aller aider, Nosse Be'ol Im Havero, ça vaut la peine pour moi, Hachem, de te confier mes enfants et que tu deviennes leur berger. Or, ici, regardez bien ce que le Harizal dit. Le Harizal dit, quand un Ben Israël sur terre, il fait un chesed envers son ami, alors Hachem garde ce chesed et le rend pour le bénéfice du Klal Israël. Mais si maintenant on a fait un chesed à 25%, alors c'est uniquement 25% qu'on rendra au Béné Israël. Si on a fait à 50%, alors 50%. Or ici, on va voir que Moshe Rabbeinu était arrivé à ce niveau d'avoir accompli un chesed à 100%. Et c'est uniquement grâce à ce chesed à 100% qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, il n'y a que toi Moshe qui pourra sauver le clan d'Israël. C'est toi qui as fait cette Messirut Nefesh de chesed. Ce chesed, je le rendrai au clan d'Israël pour les sauver. Et donc, écoutez bien quel chesed Moshe Rabbeinu il a fait. On se rappelle dans Parashat Shemot, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il est parti et il a vu Ish Mitzri Make Ish Ivri. Donc, il y avait un Égyptien qui a frappé un Juif. Bien sûr, il s'agissait là-bas de Datan Vaaviram. Donc là-bas, c'était Datan. Et le Mitzri lui avait pris sa femme, etc. Et donc ici, alors, Moshe Rabbeinu, Vayar Kien Ish, il a vu que de ce Mitzri n'allait sortir aucun homme. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y aurait pas de guérim, de converti qui sortirait de lui. Et donc, il a sorti le Shem Améphorash et l'a tué, ni vu ni connu. Donc ça, c'était le premier jour. Le lendemain, alors là, il voit un Juif frapper un autre. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est la suite de l'histoire de la veille. Là, c'est Datan Vaaviram qui se disputaient entre eux. Et justement, ils se disputaient par rapport à l'histoire de la femme avec une histoire de guette sans rentrer dans les détails. Et voici que Datan lève la main pour frapper Aviram. Et sur cela, directement, Moshe Rabbeinu l'appelle Racha Lamatake Reacha. Pourquoi est-ce que tu vas frapper? Dès que tu lèves ta main, tu es déjà considéré Racha. Et donc, c'est là que quoi? Que Datan, alors, il se retourne vers Moshe. Quoi? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et là, on voit que Datan, il est devenu Moser. Moser, c'est quoi? C'est un délateur. Celui qui va dénoncer à la royauté. Et Datan, rappelez-vous que Datan Vaaviram, ce sont deux enfants qui, normalement, ils devraient être morts. Ils ont été mis dans les briques par haut. Et quand même, Moshe est venu et les a délivrés. Hachem lui dit, aïe, tu ne sais pas pour quelle raison alors il y a certains enfants qui ont été choisis.
malheureusement, tu verras pourquoi est-ce que tu as sauvé ces enfants. Et Datan va Aviram, combien est-ce qu'ils ont fait de mal à Moshe lui-même. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Datan est devenu un mosser, un délateur. Il a dénoncé Moshe. Quand Moshe a vu ça, alors il a dit, c'est pas possible. Une chose pareille. Et donc, il était obligé de s'enfuir. Et pourquoi il était obligé de s'enfuir? Parce que, finalement, Datan, il a dénoncé que Moshe avait tué cet Égyptien. Et cet Égyptien faisait partie des généraux, des commandos de Paro, les plus chachouvim, les plus importants. Et donc, Paro ne pouvait pas baisser la tête sur cela. Et donc, il y a eu tous les miracles qui ont fait que Moshe Rabbeinu a pu s'enfuir à Midian. Et donc, il a été sauvé. Et voici que Moshe, il va se cacher pendant 60 ans à Midian. Et pendant 60 ans, Rabotai, il est parti se cacher de quoi? D'un juif que la veille, il avait sauvé en tuant l'Égyptien. Le lendemain, ce même juif, alors quelque part, c'est lui qui l'a dénoncé. Moshe doit s'enfuir pendant 60 ans. Alors, il sera tout seul à Midian, sans son père, Amram, sans tous les béné Israël, sans ses sfarim, tout seul jeté pendant 60 ans, c'est énorme. Et tout cela, pourquoi? Pour un chesed qu'il a fait envers un juif qui va finir par le dénoncer. Et donc, on se demande, mais pourquoi tu as fait ça, Moshe? Pourquoi tu as fait ça? Arré Moshe, lui, il avait, comme on a dit, un statut privilégié auprès du palais de Paro. Moshe Rabbeinu, il aurait dû conserver son rang. Au lieu d'aller sauver ce juif, qu'est-ce qu'il aurait dû faire comme Cheshbon Moshe? Il aurait dû dire, tu sais quoi? Grâce à moi déjà, c'est moi qui ai négocié le Shabbat où les Béné Israël ne travaillent pas pendant Shabbat. C'est Moshe qui l'a négocié. Ensuite, grâce à mon rang, alors je pourrais aider les Béné Israël 100 fois plus. Là, je vais me mouiller pour un juif. À ce moment-là, quand il est venu pour sauver ce juif, Moshe Rabbeinu, par son Da'at Torah qu'il avait à ce moment-là, il a dit, Kedai. Même de sauver un juif, c'est Kedai. Et donc Moshe est parti et a sauvé ce juif. C'est vrai que le lendemain, à cause de ce juif, malheureusement Moshe, il a été chassé, etc. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu es prêt à faire un chesed shalem pareil, un chesed complet pareil. Alors ce chesed à 100%, je vais le conserver pour le clan Israël. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que grâce à cela, ça a déclenché la Géoula et Akadosh Baruch Hu a préservé, encore une fois, ce chesed qu'il a permis, que Moshe a fait et qui a permis au Béné Israël de sortir donc de Mitzrayim. Quelque part, c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il attend. Il attend à ce que chacun d'entre nous, on puisse faire un chesed, mais un chesed shalem, un chesed complet. Et grâce à ce chesed, alors les Béné Israël mériteront la Géoula, c'est ce qu'on voit un petit peu ici. Et donc, on demande encore une fois, mais au départ de toute cette histoire, arrêt lorsque Moshe Rabbeinu, à la fin de Parashat Shemot, il a vu que les Béné Israël, alors ils souffraient. Moshe Rabbeinu n'a pas pu se retenir de poser la question, mais lama hareota l'amazé, comment est-ce que tu as pu faire du mal à ce peuple-là? Tu m'envoies pour les sauver, tu ne les as pas sauvés, et encore plus que cela, ils n'ont fait que souffrir. Depuis ce moment-là où je suis venu pour les sauver, ils n'ont fait que souffrir. Mais Moshe le dit dans ces termes, « Lama hareota la'amazé », comment tu as pu faire du mal à ce peuple? Malheureusement, ça nous arrive à chacun d'entre nous, souvent, de pouvoir se retourner vers Hachem, et de pointer quelque part des choses qui à nos yeux ressemblent comme quelque chose qui s'appelle Ra. Et quelque part cette question de Moshe, Lama Areota Laramazé, alors combien de fois malheureusement ça nous arrive de le poser soit par la bouche, soit avec des pensées. Pourquoi Hachem tu m'as fait cela? Lama Areota Laramazé. J'ai entendu une très très belle histoire. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un rav qui est très connu à Bnei Brak, qui s'appelle Rav Zaïd, il a raconté qu'il était à Bnei Brak, là où il habite. Et bien sûr, à Bnei Brak, il y a un petit quelque chose et tout le monde, toute la foule, tout le monde vient voir pour qu'est-ce qui se passe ici. Et donc, il a vu qu'il y avait un bus
et qu'il y avait énormément de gens autour de ce bus. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il voit la foule, il ne pouvait pas s'empêcher. Il a été voir lui aussi, parmi tous les gens de la foule. Et il voit au milieu de la foule, il voit une jeune fille qui se retourne vers lui, vers ce Rav Zaïd. Elle lui a dit: que votre Rav, je suis telle et telle fille de votre séminaire. Et voilà ce qui s'est passé. Je vais vous raconter pourquoi il y a toute cette foule et pourquoi il y a le car qui s'est arrêté, tout ça. Voilà ce qui s'est passé. Je suis monté dans le bus. Avant de monter dans le bus, j'avais ma valise. Je l'ai mise dans le porte-bagages. Et lorsque le bus s'est arrêté à la station, alors il a ouvert le porte-bagages, mais la valise, elle était vraiment au fond, et j'avais pas le choix. Donc je suis rentré, plus ou moins pour essayer de la tirer. Mais quand je suis rentré, alors j'ai glissé, je suis rentré à l'intérieur du bus. Et le chauffeur, j'imagine qu'il a regardé dans le rétro, il a vu que j'étais plus là, il a fermé le porte-bagages et voici que je suis bousculé à l'intérieur du porte-bagages et je suis en train de balancer d'un côté à l'autre du porte-bagages. Moi, j'étais venu pour prendre ma valise, voici qu'on m'a enfermé. Je commençais à crier, personne ne m'entend. Et juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me dit: « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et j'essaye de regarder, on est dans un noir terrible, et apparemment il y a un Bachour Yeshiva qui est là. Et ce Bachour Yeshiva écrit: Yehoud, Yehoud, on est dans un car, on est enfermé dans le noir, c'est Yehoud. Et donc elle lui dit: mais quel Yehoud, on va mourir ici, on est asphyxié et tout, quel Yehoud. Et lui il continue: Yehoud, Yehoud. Et en fin de compte, ça a duré quelques minutes, et au prochain stop, alors enfin, le chauffeur, il ouvre son bagage et là, le garçon et la fille, ils sortent de là-bas et tout. Et c'est à ce moment-là que Rav Zaïd, il arrive et que le car était arrêté. Et donc, ils ont expliqué au chauffeur qu'ils avaient ouvert et tout. Rav Zaïd, il perd pas le nord. Il attrape le bachour et lui dit: tu vois pas cette scie à Tadishmaïa? Mais vous vous êtes retrouvés ensemble dans un porte-bagages. Donne-moi ton numéro. Il lui a donné le numéro et tout. Et il lui a dit: regarde, je vais organiser un chidour. On sait jamais, hein. Je vais organiser un chidour entre toi et cette fille. Il lui dit: oui, mais il y avait un problème de Yehoud. Il lui dit: non, ne t'en fais pas avec les problèmes de Yehoud, là. Laisse Hachem gérer et tout. Et il lui a dit: c'est moi qui vais gérer ce chidour. Et donc, ils ont commencé la première rencontre, la deuxième, la troisième. En fin de compte, il y a eu le vote. Et ils se sont fiancés, ils doivent se marier dans quelques semaines. Et voici que Rav Zaïd, il a raconté cette histoire pour dire, lorsqu'ils étaient tous les deux dans le bagage là-bas, alors ils ont tous les deux demandé « Lama hareota la amaze ?» Lama hareota, c'est-à-dire « Pourquoi tu me fais autant de mal ?» Mais on ne réalise pas derrière quelque part ce mal qui à nos yeux s'appelle du mal. Mais nous, on est à des kilomètres d'imaginer le bien qui va sortir de cette histoire, le bien qui va sortir de ce mal qui est dans nos yeux. Donc, la mareota, le ra, il est uniquement à l'intérieur de nous. Akadosh Baruch Hu ne fait que le bien. C'est que le bien qu'on doit retenir de tout ce qui se passe sur terre. Et Akadosh Baruch Hu, encore une fois, c'est la source du bien. C'est lui qui réserve pour tout celui qui va se donner à faire du bien, à faire du chesed. Tout ce chesed, il va le préserver et le garder justement pour le Ham Israël, pour sa descendance, pour tout ce qu'il est prêt à faire. Shabbat shalom les kulchem.